Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec mes petits loulous. Je viens de finir de me préparer. Il fait très très chaud encore une fois aujourd'hui. On est toujours à Meknès et on est sur la fin des vacances qui se sont passées extrêmement vite. On a fait 20 jours de vacances. J'ai l'impression qu'on a fait la moitié. Franchement, j'ai l'impression qu'on a eu 10 jours de vacances tellement je ne les ai pas vus passer. Mais bon, on a passé de très bons moments. Comme on dit, quand on les voit pas passer, c'est que ça s'est bien passé. C'est l'essentiel. Les enfants se sont bien amusés. Nous, on a passé un très très bon moment avec la famille. C'était franchement très très bien. Au moment où je vous parle, je suis en train de chercher mon téléphone partout. Et je continue à chercher des yeux, mais je ne le vois nulle part. Je sais pas où je l'ai paumé, je sais pas où je l'ai posé. Bon, c'est pas très grave. Je sais pas pourquoi je passe du coq à l'âne, mais c'est pas bien grave. Sinon, là, on va sortir faire les derniers achats. Non, c'est pas vrai. Tu l'as trouvé? Ouais, il s'est levé en 2-2, il m'a trouvé mon téléphone. Merci, mon petit cœur. Bah, je sais pas, je comprends pas. Change. Sinon, comme je vous disais, on est sur les derniers achats, les épices, les petites vaisselles, les petites choses à prendre avant le départ. Et du coup, on part avec mamie aujourd'hui pour faire les derniers achats. Elle aussi a besoin d'aller dans les boutiques. Donc on y go et les enfants restent ici avec papy bien au frais parce que faire les magasins avec eux ça va être très compliqué et en plus de ça il fait vraiment vraiment chaud, ça va être juste un calvaire pour eux, donc on va éviter. Voilà, allez on y go. On vient d'arriver à notre première destination et pour dire vrai je ne sais pas où on va pour le moment, aucune idée d'où où allons-nous. Je suis ma belle-mère. Je la suis. Ah? Elle a chemin à Jibtek. Qu'est-ce que tu as à Jibtek? Rabbi, on a fait une radine d'abord. Fait une radine? Ah! Yal. Gingembre, cannelle, curcuma. On va prendre. Ah, c'est le bizarre. Un petit peu de tout. Je prends toujours mes épices ici parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus frais. En fait, si vous les prenez comme ça et après vous demandez à les moudre, il faut pas les acheter déjà moulus. Il faut vraiment est-ce qu'ils le fassent devant vous. Ça y est, on a pris les épices. Encore une fois, il faut vraiment qu'ils puissent vous les mixer devant vous. Les moudre directement devant vous. Ne les achetez pas déjà faits parce que ça se trouve, ça fait des semaines que c'est fait. Moi là c'est bien frais, moi il y en a où, que je prends et que je fais à la maison. Mais par contre le curcuma ça a tendance à toujours me casser mes machines, donc maintenant je le fais chez lui. Au moins je suis sûre que ma machine va rester en bon état. Voilà, on a pris les épices juste à côté de la maison. Et là on part à la Médina. J'aimerais voir pour des théières. Comme si j'en avais pas assez. En fait, ce que j'ai, ce qu'on utilise tous les jours, c'est des théières que j'ai achetées en France et que j'aime pas trop. Sincèrement, elles sont pas, voilà, c'est pas très joli, c'est pas des théières dans l'art, quoi. C'est pas des trucs très jolis, c'est vraiment des trucs pour dépanner. Et ce que j'avais acheté la dernière fois, c'est des choses qu'on utilise que quand on a des invités. C'est pas des choses qu'on sort tous les jours, vous voyez. Trop gros pour sortir ça tous les jours. Donc on va aller voir et en même temps ça nous fera faire un petit tour dans la Médina, sachant qu'on n'y est pas allé, dans celle de Meknès depuis qu'on est arrivé. Enfin en tout cas cet été on n'y est pas allé. Donc c'est parti, on va faire un petit tour. Ma belle-mère on l'a déposée à la maison. Elle voulait juste parce qu'on est passé pour voir pour des bijoux. Elle voulait voir pour des bijoux. Donc on est parti voir. Et moi aussi hein, par la même occasion. Et puis on est parti prendre les épices et on l'a raccompagnée à la maison. Elle est fatiguée, s'est levée beaucoup trop tôt. Thank you.
chanter en fait là-bas. Mmh. C'est sympa, hein. Mmh. C'est super sympa. On dirait la plage d'Amelfna. Sauf qu'ici c'est un peu plus vide. C'est pas vraiment la plage d'Amelfna. Mais il fait bon. Franchement, il fait bon. Il y a du vent, c'est agréable. Je préfère rester dehors que de rentrer. Ah bon? C'est vrai. Ah oui, il faut. Dis-moi. Et alors? Ici au Maroc, les boutiques d'or sont tous dans un coin. En général, sont tous regroupés dans le même coin. Il n'y a que ça. Bon là, il y en a plein qui ont fermé parce que c'est l'heure de déjeuner. Vous voyez, il y en a qui sont en train de fermer. Là, on est dans une boutique. Regardez ce bracelet, celui-là. Je vais vous le montrer de plus près. Il est incroyable. Il est super beau, vraiment. Et j'aime beaucoup les bracelets aussi comme ça, là. Avec comme des pièces de monnaie. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. On est dans un endroit où ils font que ça. Il y a un endroit ici, comme à Rabat, où les gens viennent boire dans la médina. Vous voyez, il y a un robinet juste là. C'est vraiment très 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 beau. C'est comme à l'époque, en haut c'est du bois. Sinon c'est de la mosaïque. C'est magnifique. Et alors les petits seaux qu'ils laissent comme ça, c'est pour les personnes qui veulent faire les ablutions. Et sinon il y a des verres pour les personnes, vous voyez. Le jeune homme il vient, il prend son verre et il peut boire. Petit arrêt obligatoire pour le jus d'orange. Il commence à faire chaud là. Là il commence à faire drôlement chaud. Peut-être que tout à l'heure je le sentais pas prendre, mais là... je le ressens vraiment, vraiment. Et du coup, on s'est arrêté pour prendre un bon verre de jus d'orange. Alors, c'est du jus d'orange pressé, frais. C'est juste qu'ils ont une glacière par laquelle ils mettent les oranges. Comme ça, quand vous buvez, c'est vraiment glacé et bien, bien sucré. Il y a la consommation. Alors, il y a le prix pour celui qui consomme sur place, debout, devant lui. Et il y a le prix pour celui qui va prendre son verre et se balader avec sa petite paille. C'est très bien fait. Un passage. Et ouais, ça fait le club de dor. Là, un passage. Bon, on pensait que c'était une rue qui allait nous emmener, mais non. Mais où le il y a un passage par là. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Dernier petit tour ici. Ça y est, c'est terminé. Nos vacances sont finies. Mamie est là, cachée. C'est terminé, on a rangé la chambre, enfin on a rangé, on leur a laissé un sacré bazar plutôt. Tout est vide, on a pris nos valises, on a tout pris, on est sur le départ, on part d'ici 2-3 minutes. C'est passé extrêmement vite, vraiment trop trop vite. D'ailleurs je vais regarder si j'ai rien laissé dans la penderie. Aya est très tristounette parce que papy et mamie ne l'accompagnent pas pour l'aéroport. Il fait extrêmement chaud et en plus on est en voiture, on n'a pas besoin d'être accompagné. Mais voilà, elle voulait absolument que papy et mamie viennent avec nous, donc elle est un peu triste. Ouais, lui il a chaud.
Je vous passerai les détails de ce que ma belle-mère vient de dire. Ça y est, on n'attend plus que moi en fait. Je suis en train de traîner, mais on n'attend plus que moi. Et moi, je suis en train de faire le tour, voir si on n'a rien oublié, surtout les petits trucs des enfants. Surtout les petits trucs des enfants, c'est très très important. Mais je pense que c'est bon. Nadia, comme le chargeur t'a aidé? Parce que je mets la après, chargeur. Ouais. Bravo. Là, elle est contente, hein. Les au revoir. Au revoir, Narc Sawail. Les au revoir. Toutoun. Aïe, elle est triste. Tu veux que papy et mamie viennent, non? C'est ça. Elle est triste, mon gars. Toujours triste, elle, de quitter tout le monde. J'ai ma petite princesse qui est là, et papa est à l'autre bout de l'avion. On a eu de sacrées mésaventures, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, ça serait pas nous si on n'a pas de mésaventures. Il faut savoir que quand on a réservé nos billets, on les a réservés au mois de février dernier. Donc ça fait quand même un bout de temps. Voilà. J'attends que la dame arrête de papoter. On se trouve dans mon jardin pour la suite de cette mésaventure. Il y avait beaucoup de prout de bruit dans l'avion. Donc comme je vous disais, les billets ont été réservés depuis le mois de février dernier. Et nous, on avait réservé en fait des places pour être vraiment tout à l'avant de l'avion, puisque mon mari a des soucis au niveau des genoux. Il a eu une injection il n'y a pas longtemps de ça, donc vraiment des grosses grosses douleurs au genou. Et d'ailleurs, il doit se faire aussi opérer du genou. Et nous, on a réservé avec Royal Air Maroc, sauf que Royal Air Maroc sous-traitait en fait un avion. Cet avion-là, mon mari l'a déjà pris auparavant et il m'a dit que les places étaient trop serrées les unes aux autres et que ça va être très compliqué pour lui. Donc on a réservé pour 30 euros par personne ces places-là parce qu'il voulait absolument qu'on soit à côté de lui. Et après, donc voilà, le temps passe, on a payé nos places, on a payé nos billets, etc. etc. Et donc 24 heures avant, on essaye de faire l'enregistrement en ligne et là, on se rend compte qu'on n'a pas nos places et qu'on est mis tout à l'arrière de l'avion, sachant qu'on a pris les quatre premières places tout à l'avant de l'avion. Là, on comprend pas, on appelle Royal Air Maroc et Royal Air Maroc nous dit « Ah bah en fait, ça n'a pas été pris en compte dans le plus grand des calmes. Ça n'a pas été pris en compte, vos places ont déjà été données à d'autres personnes, donc on est deux familles à avoir réservé les mêmes sièges. Et du coup, ça a été donné à une autre famille et en fait, clairement, ils peuvent rien faire pour nous. » Voilà. Donc là, on lui dit non, c'est pas possible. On a payé 30 euros par personne. On est quand même à 120 euros dépensés pour rien au final. Et donc, ils nous disent que oui, qu'elle peut rien faire, qu'il faut voir avec l'aéroport. Au mieux, chercher un document qui se trouve je ne sais où. Le document, c'est même pas eux qui vous l'envoient par mail ou quoi. Non, non. C'est à vous d'aller chercher ce document sur Internet, de le remplir, de l'envoyer et d'attendre 2 mois pour avoir une réponse. On ne sait pas quelle sera la réponse. Et puis de toute façon, il faut attendre 2 mois. Sachant qu'on a déjà eu dans le passé un problème avec Royal Air Maroc, c'était au moment du Covid. Et il y avait pareil ce délai de 2 mois et on n'a jamais eu de nouvelles de Royal Air Maroc. Parce que je crois qu'on n'a pas pu prendre un avion. On a eu la réponse de Transavia qui nous a remboursé, avec qui tout s'est bien passé. Mais Royal Air Maroc, rien. Donc voilà. Donc mon mari s'énerve, elle nous dit que de toute façon on peut rien faire pour nous. Oui, ok, on a payé, oui, elle a le paiement, mais elle peut rien faire. Donc on va à l'aéroport, et à l'aéroport elle nous dit la même chose. On peut rien faire pour vous, faut les appeler, et là on leur dit, ben non, ils nous ont dit, on voit ça avec vous. Donc là elle nous dit, non, non, si vous voulez les places, ou les places similaires, il faut repayer. Attends, j'ai pas compris, on a déjà payé. Elle me dit, oui, oui, vous avez déjà payé, donc on lui montre le mail, comme quoi le paiement est bien passé, comme quoi nos places étaient réservées, etc. Elle nous dit, bah ouais, je comprends. Sauf que bah, pour pouvoir avoir des places similaires, puisque les vôtres sont déjà prises, et bah, il faut repayer. Donc voilà.
Donc au final, on n'a eu aucune indemnité. On n'a pas eu nos places. Avec les enfants, on a été mis tout à l'arrière de l'avion, vraiment tout à l'arrière. Et mon mari a été mis au milieu de l'avion. Et en fait, ce qu'on a pu lui proposer, c'est d'avoir une place à côté qui soit vide. Ça sert strictement à rien. Puisque vous savez, les accoudoirs, là, dès que l'avion bouge, faut absolument les bouger. Donc il ne peut même pas se mettre en biais. Et puis se mettre en biais, mettre son dos en biais, c'est pas confortable non plus. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Là, on s'est dit plus jamais Royal Air. Vraiment plus jamais, quitte à payer un peu plus cher. De toute façon, là, on a perdu de l'argent en réservant des trucs en plus qu'on n'a pas eu. Au final, on a perdu 120 euros puisque je suis persuadée qu'on n'aura jamais le remboursement. Si jamais il y en a qui ont un contact, qui ont quoi que ce soit, ben franchement, je serais preneuse pour avoir un mail qui sera envoyé directement ou quoi. Mais je pense qu'on n'aura jamais notre remboursement, que jamais rien ne sera fait. Donc là, on s'est dit, quitte à payer plus cher, eh ben, on préfère prendre une autre compagnie que d'aller avec Royal Air Maroc. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, j'ai eu une valise parce que on avait le droit à une valise chacun, donc quatre grandes valises de 23 kilos, plus quatre petites valises de 10 kilos. Il faut savoir qu'on n'avait que trois grandes valises, nous, on n'en avait pas quatre, on n'avait que trois. Et il y en a une qui faisait 14, non, qui faisait 24 kilos, pardon. Donc qui dépassait de 1 kilo, et ben elle a rien voulu savoir. Il fallait absolument retirer les 1 kilo. On lui a expliqué qu'on n'avait pas de valise en plus. Donc déjà, on n'utilise même pas tout enfin, le nombre de valises qu'on a. Après ça, je peux comprendre à la limite parce que c'est trop lourd pour les personnes qui les portent, etc. Mais non, pour 1 kilo, il y a rien à faire. C'est même pas, j'en veux même pas à l'hôtesse parce qu'apparemment c'est de ce qu'elle m'a expliqué, c'est vraiment eux qui risquent d'avoir des problèmes puisque Royal Air Maroc est devenue très très exigeante là-dessus. Donc voilà. Enfin bon. Nous, ce qu'on a l'habitude quand on part avec Transavia ou Air France, pardon, c'est que quand il y a une valise qui est... faut savoir qu'on avait des valises qui faisaient que 12-13 kilos, des grandes valises, hein, qui étaient très très peu lourdes. On avait l'habitude de nous dire, bon, bah, il faut que à deux, ça fasse le nombre de kilos, que vous avez. Et là, non, c'était pas le cas. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je me dis, dans les cas comme ça, je n'aime pas m'énerver et je me dis, il y a toujours plus grave et je saurai pour la prochaine fois. Voilà. Ouais, il est déjà en train de faire le listing des copains qui viendront à l'anniversaire.